Le ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale, Kwadio Konan-Bertin, en visite au cabinet du ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, était accompagné de l'ancien capitaine des éléphants, Gadi Sely Saint-Joseph. Avec ses anciens coéquipiers de Sénégal 92, ils ont été invités à s'impliquer dans la mobilisation des Ivoiriens à l'occasion de la CAN 2023. Nous allons compter sur vous pour donner un réarmement d'abnégation à ces jeunes qui ont du talent. Nous allons vous les confier. Vous avez deux missions. Une mission qui sera sportive. Donner du cœur, donner de la légitimité, donner de l'engouement. Mais l'autre mission, c'est d'être le porte-voix pour que les Ivoiriens se rallient autour du cri que vous allez lancer à travers le CNSE. Je regarde les visages de mes amis, mes frères, mes pères, et je sais qu'ils ont déjà dit oui. Nous sommes prêts à vous accompagner, je dirais à accompagner la nation, Ivoire, nos jeunes frères qui seront choisis pour représenter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à cette compétition. On va faire ce qu'on peut pour pousser nos jeunes frères à la victoire. Cette implication des champions d'Afrique 92 est une source de motivation des éléphants à se surpasser afin de permettre à la Côte d'Ivoire de décrocher une troisième consécration continentale.